Bonsoir, bonsoir, chers compatriotes. Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Léni Dandiogo. Il est 21h18 ici, à Nantes. Ce soir, je vais m'adresser au président de la transition, Son Excellence Monsieur Brice Clotaire-Oligui Nguema. Excellence Monsieur le président de la transition, je vous ai, lors de mes précédentes sorties, je vous avais toujours dit, avec les mots qui me caractérisent, que tout flatteur vient aux dépens de celui qui l'écoute. Mais, monsieur le président de la transition, vous ne m'avez peut-être pas écouté, mais aujourd'hui, la situation devient de plus en plus grave. Et souvenez-vous, lorsque nous fréquentions le grand maître, Feu Omar Bongo Ndimba, il nous rappelait toujours que les intellectuels gabonais sont comme des chics. C'est des personnes extrêmement dangereuses. Aujourd'hui, vous voilà complètement roulé à la face du monde par l'un des supposés intellectuels, un certain Maïs Mouis. Mais pourtant, selon la légende, vous êtes la personne la mieux renseignée du pays. Vous vous êtes fait avoir par un bleu, par un analyste économique. Voilà là où il nous amène. En 6 mois, un taux d'endettement au-dessus de la moyenne. Et nous apprenons ça et là que il y a des détournements en masse. Vous ne dites rien. Ils achètent des VX à des copines, que ça soit lui, que ça soit son directeur de la dette. Mais, monsieur le président de la transition, où allons-nous? Vous voyez, chaque fois, on a attiré votre attention en disant qu'il faut vous concentrer sur l'essentiel. Pour nous, l'essentiel, c'était d'abord réécrire la Constitution, organiser les élections présidentielles, législatives et locales dans des délais raisonnables. Le développement pouvait attendre, parce que si depuis 56 ans, nous ne sommes pas morts parce qu'il n'y a pas l'eau, parce qu'il n'y a pas le courant, parce qu'il n'y a pas les écoles, parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas les transports, du moins c'est tout ce qui touche le social. Ça ne nous empêchait pas d'attendre 6 mois ou 7 mois. Mais très rapidement, vous vous êtes fait avoir par des faits-man. La plupart des intellectuels gabonais sont des faits-man. Et là, ce n'est pas Wilfried Okumba Kamitatou Léni Ndiogo qui le dit. C'est le journal pro-gouvernemental L'Union. Regardez ce qui se passe. Mais, monsieur le président de la transition, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Moi, je pense que celui qui a pouvoir de nomination a pouvoir de révocation. N'attendons plus, n'attendez plus, Excellence. Il faut absolument agir et agir très vite. Qu'on vous explique comment nous en sommes arrivés à exploser notre dette. Ce qui obère désormais nos ressources, ça sous-entend que vous qui êtes un homme de parole, un homme de conviction, vous qui êtes un travailleur, parce que je vous ai vu construire, je vous ai vu bâtir. Votre empire immobilier, vous êtes un homme de conviction. Comment vous allez faire désormais pour tenir à vos engagements vis-à-vis du peuple gabonais? Puisqu'aujourd'hui, nous avons habitué à avoir quand même des routes en béton, il y a quand même eu un frémissement. Mais tout ça là, pour ça, Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Moi, je pense que à ce niveau-là, nous ne devons plus attendre. Et puis, au niveau ceux qui vous entourent, j'ai ouï dire qu'il y a quand même des banquiers, des économistes de renom, ceux qui ont fait leur preuve. Puisque si BGFI Banque est une référence en Afrique, ça voudrait dire que son patron, Henri-Claude Ouima, peut être le ministre des Finances. Pourquoi est-ce que nous avons honte de ça? Si réellement il est capable.
Parce que là aussi, on va pas continuer à tourner autour du pot. Et puis, il y a d'autres Gabonais qui sont en même de relever notre économie. Que ce soit Maïs Mouissier, que ce soit Charles Mbaye Kom a passé tout son temps à raconter sa vie sur les chaînes de télévision, que le pays est hyper endetté. La dernière fois, quand on a compris qu'il devait lever sur les marchés financiers près de 800 milliards, on s'est interrogé, monsieur le président de la transition. Donc, qu'à cela ne tienne, Excellence, monsieur le président de la transition, il faut agir et très vite. Mieux, votre secrétaire général réussit par des tours qui leur sont propres à mettre son fils et sa femme dans les régies financières au détriment d'autres Gabonais, tout simplement parce qu'il est à côté de vous. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'on fait de Rossatanga Rignon? Les diplômes dont on vous parle là, ce n'est qu'une présomption de connaissance, monsieur le président de la transition. Tout ce que vous avez bâti dans votre vie, vous n'avez pas les doctorats, vous n'avez pas les professorats comme eux. Mais un homme né d'abord intelligent. Mais comment ça se fait-il qu'on peut prendre notre pays, mettre à la disposition de l'économie d'un pays, un compteur de boîte de saline, ou bien celui qui fait une comptabilité des épiceries ici en France? C'est quand même une injure. C'est quand même une injure à l'intelligence gabonaise, monsieur le président de la transition. Mais les faits sont extrêmement graves. Qu'attendez-vous pour remanier ce gouvernement-là? Sortez ces gens-là avant qu'il ne soit trop tard, monsieur le président de la transition. Avant qu'il ne soit trop tard, parce que où est-ce qu'on veut vous amener? Il va arriver à un moment donné que vous ne pourriez plus payer le salaire. Et le Gabonais ne blague pas avec le salaire, parce qu'il ne vit que de ça. Lorsque je vous parle de coup d'État, mais il y a plusieurs coups d'État qui se font autour de vous. Comment on peut vous amener au bout de 6 mois d'endettement aussi élevé? Ça voudrait dire que Charles Mbaye Kom et son compère de l'économie, c'est des délinquants financiers, monsieur le président de la transition. On ne peut pas continuer avec ce genre de personnes. Essayez de vous ressaisir, monsieur le président de la transition. Les faits sont extrêmement graves. Ne blaguons pas avec ça, Excellence. Balayez, monsieur le président de la transition. Omar Bongo, feu Omar Bongo, le grand maître. Lorsqu'il a pris le pouvoir en 67 jusqu'en 90, il travaillait avec les analphabètes. Il y en a qui ne savaient même pas lire et écrire dans son gouvernement. Mais on a vu sortir le chemin de fer, on a vu sortir les hôtels, on a vu sortir les hôpitaux. Nous avions un développement harmonieux. Mais dès 90, lorsque nous avons vu arriver les adeptes de l'entrisme, on n'a plus jamais fait tout de 90 jusqu'à la mort de feu le grand maître. Il n'a plus jamais fait de l'économie. Il faisait maintenant de la politique politicienne. Acheter les gens, raconter sa vie, faire ceci jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais monsieur le président de la transition, vous vous souvenez que lorsque nous nous sommes vus le samedi 1er, je vous ai dit, nous sommes la génération des années 70, nous avons une obligation de résultat. Or là, vous avez dans votre escarcelle des démons, des gens qui ne pensent qu'à l'enrichissement illicite, monsieur le président de la transition. Et je vous ai dit samedi que certaines banques ici en France commencent à se poser des questions. Comment est-ce que la plupart des ministres, au bout de 6 mois, 7 mois, sont devenus des milliardaires? Mais voilà, ça n'a pas tardé, Excellence, Monsieur le Président. Vous êtes parti lundi et le vendredi, la bombe est sortie. Donc, entre vous, vos collaborateurs et moi, qui ment finalement, Monsieur le Président de la Transition? Qui ment?
Mais avec ça, vous voulez que le Gabonais puisse vous faire confiance, monsieur le président de la transition, s'il vous plaît. Prenez le taureau par les cornes, videz Maïs Mouissi, videz Laurence Ndong, videz Charles Maïcom, videz tous les menteurs du gouvernement là, monsieur le président de la transition. Ce n'est qu'à partir de ce genre de choses, des actes d'une telle envergure, que vous aurez la confiance du peuple souverain. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, vous n'avez pas besoin de bidouiller des textes ou écrire n'importe quoi, un candidat. Mais la loi universelle est simple. Ce sont des principes démocratiques. On ne peut pas être candidat à une élection et ne pas être représenté dans les bureaux de vote. Et de qui avez-vous peur, finalement? Pour reprendre votre commandant en chef de la police, M. Ngoma. Finalement, vous avez peur de qui, M. le président de la transition? Je vous ai dit, organisez-vous, faites les choses de manière correcte. Personne ne peut vous battre. Je vous l'ai dit. Donc, ne vous empêtrez pas dans des jeux, dans des choses qui vont beaucoup plus vous discréditer, Excellence, M. le président de la transition. Asseyez-vous. Et arrêtez cette histoire de populisme. Tout le monde se sert. Chacun vient mentir. Donne l'argent, donnez l'argent, donnez l'argent. Faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. J'avais attiré votre attention par rapport à Chalmba. Je vous avais dit que c'était un truand de grand chemin. Je vous l'avais dit. On est où aujourd'hui? Maïs Mouissi, il peut nous expliquer où est-ce qu'il a eu l'argent pour acheter la Vélix à sa copine? Où est-ce qu'il a eu l'argent pour acheter des maisons ici? Vous me dites, vous m'avez dit au cours de la réunion, au cours de l'audience que vous m'avez accordé, que Maïs Mouissi a acheté sa maison depuis longtemps. Quand? Quand, Excellence? J'ai comme l'impression que donc, Maïs Mouissi et vous, il existe une amitié plus vieille que le Gabon. Donc, pendant que nous étions là, Maïs Mouissi était en contact avec vous, vous savez ce qu'il avait. Donc, monsieur le président de la transition, nous n'avons pas besoin de ça. Les Gabonais ont besoin de rêver. Et je vous ai suggéré samedi que allez même plus vite. Ce n'est pas parce qu'on a arrêté un chronogramme en disant que la transition va durer 2 ans qu'il faut forcément qu'on arrive aux 2 ans. Vous pouvez anticiper. Vous pouvez mettre le cap sur l'organisation des élections. Et puis, on en finit une bonne fois. On finit avec ça. Si vous gagnez, à partir de ce moment, vous allez mettre en musique votre projet de société, qui, je l'espère, va redonner confiance et la dignité au peuple gabonais. Mais ce n'est pas en trimballant des truands comme les Rossatangarignos, des tribalistes de hors pair, en trimballant un certain nombre de personnes. Ce n'est pas ça. Depuis un moment, je donne des cours politiques. Mais parce que les personnes que je mets à votre disposition, ce sont des personnes qui sont outillées, chevronnées, qui sont des vrais commis de l'État. Mais monsieur le président de la transition, comment vous pouvez prendre des risques énormes, remettre l'économie d'un pays à un apprenti sorcier? Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Comment est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, on compare maintenant, on compare, on dit, bon, les émergents pendant 14 ans n'ont pas endetté le pays comme ça. Vous, en 6 mois, vous en avez fait plus. Mais lorsqu'on regarde dans les quartiers, finalement, cet argent a servi à quoi? Nous voyons quelques bricoles à Libreville, mais à l'intérieur du pays, il y a quoi? Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Et puis, Maïs Mouis, Charles Mbaye-Kom, Laurence Ndong et les autres ministres, lorsqu'on n'est pas capable d'apporter du répondant, d'apporter des solutions, d'aider un frère qui vous a fait confiance, il faut rendre votre tablier. Rendez votre tablier. Ça ne sert à rien d'insister, vous êtes des tocards. Vous ne valez absolument rien du tout. Vous ne valez absolument rien du tout. Mais ne pensez pas que M. Brice Kotero-Olikingema n'a pas de parents. Ne pensez pas que les Gabonais ne regardent pas ceux qui le soutiennent.
Et d'ailleurs, dans vos propos en plein de méchanceté, vous le traitez de naïf. Il est naïf comment? Quelqu'un qui vous donne à boire et à manger, comment est-il naïf? Donc, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, je m'excuse encore de vous déranger à pareille heure, mais très, très respectueusement, je crois que nous ne devons même pas attendre. Il faut absolument agir. Il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière. Il faut balayer, absolument balayer. Les Camerounais attendent avec impatience de voir comment vous allez balayer. Et parmi les départs que nous suscitons, nous ne voulons plus voir Charles Mbaye-Combe, nous ne voulons plus voir Madame Laurence Ndong, nous ne voulons plus voir, comment on appelle ça là, Maïs Mouissi, nous ne voulons plus voir un certain nombre de ministres qui n'apportent rien du tout. Maintenant, si vous avez des engagements ou bien vous avez des deals entre vous, mais vous avez un cabinet, vous avez la présidence. C'est là-bas où se trouve tout l'argent du Gabon, les centres d'intérêt, c'est là-bas. Où on prépare tout, les complots, les ceci et cela. Donc vous pouvez les prendre là-bas, vous les mettez comme vos conseillers spéciaux ou bien vos représentants. Mais au gouvernement, ils ne vous apportent rien. Mais si vous êtes politique, comment ils ne vous apportent rien? Voilà là où il vous a amené. Directement dans la fosse au lion. Voilà Charles Mba. Rien du tout. Il en a acheté les voitures ici-là, les espèces de VTC. Il a un porte-valise ici. Ils ont au moins 4 ou 5 véhicules qui font le Hitch, le Bolt et ainsi de suite ici en France. En l'espace de 6 mois. Monsieur le Président de la Transition. Mais c'est grave. Allez-y chez lui là-bas, Enguerre-les-Bains. Même le voisinage se pose des questions, que, mais ce n'est pas possible. Pour quelqu'un qui avait même du mal à s'acheter un café, se retrouve maintenant à investir comme ça, à défoncer toute une maison. Mais Excellence, Monsieur le Président de la Transition, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous échouez, c'est notre génération qui aurait échoué. C'est pour ça que tous les jours, je monte sur mes chevaux pour essayer de vous ramener à la raison. Ce n'est pas du mercantilisme politique. Ce n'est pas parce que j'ai besoin de quelque chose. Même si je suis traité de tous les noms d'oiseaux aujourd'hui, ce n'est pas grave. Mais je me dois de vous dire la vérité. Le peuple attend plus, monsieur le président de la transition. Mais vous vous êtes lancé dans des programmes qui sont réservés à un président démocratiquement élu. Et ils en profitent derrière ces chantiers, ces marchés, pour pouvoir ramasser l'argent. Ramasser l'argent. Et si on nous met, si le FMI nous met sous sa coupe, on est mort. Ça voudrait dire que vous serez un piètre président de la transition. Et aujourd'hui, d'aucuns pensent même que les années à Ali sont meilleures. Mais il faut absolument reprendre la main, monsieur le président de la transition. Balayez tout ça, s'il vous plaît. C'était Wilfried Okumba Kamitatou, l'aîné d'Andiogo, depuis Nantes. Merci et bonne soirée.